Salut à tous, ici DLP Lightyear, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une petite astuce, comment gagner plus de pièces facilement sur le jeu Disney Dreamlight Valley. Suivez-moi, c'est parti. Donc là la première chose qu'il faut faire c'est d'aller récupérer des carottes au stand de Dingo. Donc vous y allez, vous achetez des carottes et vous en prenez le plus possible. Donc moi j'en prends 99. Ensuite avec Dingo, hop, vous plantez vos graines. Vous allez me dire pourquoi les carottes? Parce que en fait au niveau qualité prix ce sont les moins chers. Un paquet de carottes coûte 10 pièces et vous les revendez beaucoup plus cher en fait. On se retrouve quand tout est semé. Dès que vous avez fini, vous arrosez évidemment. Dès que vous avez fini ça, vous attendez que vos récoltes soient prêtes à être récoltées. Donc, je vous montre ça dès que c'est prêt. Du coup, dès que c'est fait, vous récoltez maintenant toutes les carottes. N'oubliez pas de mettre, de demander à Dingo de faire un tour, comme ça il vous donnera des carottes aussi en plus. Comme vous pouvez le voir là, Dingo donne plein de carottes. En plus, il en donne pas mal. On se retrouve quand tout est récolté. Ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas récolter les carottes de Dingo, comme ça je vous montrerai combien Dingo m'en a donné en plus. Voilà, je viens de récolter toutes les carottes. Je suis à 137 carottes, comme vous pouvez le voir, et 30 000 crédits. Je vais ramasser les carottes que Dingo m'a donné en plus pour voir combien il m'en a donné. Je viens de récolter toutes les carottes que Dingo m'a donné en plus et je suis... Ah non, attendez. Il m'en reste encore une juste ici. Non, je veux pas planter, je veux récupérer. Et je suis actuellement à 215 carottes. Dingo m'a rapporté plus de 70 carottes en plus de ce que j'ai récolté. Donc c'est vraiment énorme. Franchement, je vous conseille de faire cette technique. Surtout de demander à un de vos personnages de vous accompagner
Surtout s'il a une compétence jardinage, ça vous donne vraiment beaucoup plus de carottes. Et du coup, là, on va vendre tout ça, toutes les carottes qu'on a récoltées. Donc, je vais aller au stand de Dingo. Je vais vendre toutes les carottes. Je suis actuellement, comme on peut le voir en haut à droite, je suis actuellement à 30 000 crédits. Et en vendant ces 215 carottes, ça me rapporte 9 000 pièces en plus. C'est juste colossal le nombre de pièces en plus. Surtout que j'en avais acheté pour au moins 2000 pièces à tout casser, franchement. Et j'ai reçu plus de 9000 pièces. Donc ça me fait vraiment plus de 6000 pièces de bénéfice. Franchement, je vous conseille de faire cette technique. Et du coup, vous recommencez cette technique à l'infini si vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de le faire ici. Moi, je l'ai fait ici parce que c'est une grande surface, un grand espace. Vous pouvez augmenter évidemment la taille de votre terrain en tout simplement creusant. Vous pouvez creuser jusque là par exemple et hop, vous êtes parti. Moi ce que je vais faire c'est que je vais creuser là derrière le stand de Dingo. Si j'ai de la place, je le ferai peut-être ici à côté de l'étang. Vous pouvez augmenter tout l'espace que vous voulez. Et voilà, j'espère que cette vidéo sur comment gagner le plus de pièces possible sur Disney Dreamlight Valley vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous allez faire cette technique. En tout cas, personnellement, je l'utilise tout le temps. N'hésitez pas à liker et à vous abonner en activant la cloche des notifications, ça me ferait super plaisir. N'hésitez pas à aller voir mes vidéos précédentes. En tout cas, merci d'avoir suivi cette petite vidéo et on se dit salut !